Allô ? Oh, c'est Fred. Ah oui, bonjour. Ah, allô ? À lui, là ! Allez, je quitte le live. Bonjour Fred. Ça vous parle pas ? Allô à lui, là ? Si, 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 j'ai la... J'ai pas envie qu'on épilogue là-dessus pendant 10 000 ans, mais si, si, ça me... Vous avez la ref ? J'ai la ref. On peut en parler. Bonjour. Bonjour Alpha. Moi, le petit surnom que je donne à The Forest, c'est The Deforest. Alors, dites-moi, Fred, ce que je disais au début du live, c'est que le nombre de gens qui sont persuadés que j'ai joué à ce jeu avec toi, alors que c'était avec Bob Lennon, Karim et Seb, et que j'ai littéralement installé le jeu hier, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment un effet Mandela très bizarre. Alors justement, vous trois, vous n'y avez pas du tout joué ? Si, en 2019. Non. Ah, ça va, toi t'y as joué. T'as joué beaucoup ? T'avais fini le jeu ou pas ? Non, j'ai joué 6 heures. Parce que donc, le principe de The Forest, pour vous expliquer, donc, en gros, nous sommes à la recherche, il y a une histoire quand même, hein, on arrive donc sur un crash d'avion, et on est à la recherche de notre fils Timmy. Alors on a tous les 4 un fils, et tous les 4 ils s'appellent Timmy. On a tous les 4 un fils, et nos fils s'appellent tous Timmy. Bah oui, on est... C'est quand même dingue qu'on soit les survivants tous les 4 d'un crash d'avion, et que nos 4 fils s'appellent Timmy. On pourra avoir de longues discussions sur Lost, si tu veux, aussi, et pour... Et pourquoi la fin est nulle à chier ? Mais bon, sinon... Intéressant, rien. Ni de suite. Alors, vas-y, je crée... J'hésite entre difficile, je me dis survie difficile, c'est peut-être un peu trop vénal. On va essayer difficile. Ok. Allez, let's go démarrer. Let's go, les gars. Il va y avoir une petite cinématique au début. Bien sûr. Bonjour YouTube. Abonne-toi, s'il te plaît, pitié. Le tien. Pitié. Clique sur la cloche, pitié. Oh putain, Timmy, il est chauve, il ressemble à Alain Juppé. Mais putain, tu spoil, je vois pas encore Timmy. Merde, je suis désolé. Ah non, faut que je bouge ma tête. Ok, j'avais pas compris. Moi, il y a pas Timmy à côté de moi. Hein. Ouais, il y a pas Timmy à côté de moi. Mais c'est Fred le père. Vous avez pas un petit garçon à côté de vous ? Non, j'ai pas un petit garçon à côté de moi. Il y a un petit caméra shake là. De toute façon, on est mort là, c'est bon. J'ai vu le petit caméra shake là. Ah, la qualité des écrans Air France, elle a changé quand même. Hein. Allô ? J'entends plus rien. Ok, c'est bon. Ah, il y a un monsieur chauve qui prend Timmy. Ah, c'est probablement Timmy. Direct. Ah ouais, direct l'embrouille. Énergie basse, mangez quelque chose et reposez-vous. On clip tous les uns dans les autres. J'ai vu les lunettes de... Putain, je vois les lunettes de quelqu'un. Ah, bonjour. Oh, cette moustache. C'est qui par terre ? Qu'est-ce que c'est que cette moustache mou ? Alors, déjà, commencez par ramasser de la bouffe et tout ce que vous voyez qui traîne par terre. Ouvrez tout ce qui traîne. On a besoin de nourriture. Comment on fait pour ouvrir les trucs ? Faut péter les trucs. Oui, tu peux aussi ramasser les valises en les cassant. Oula, oh, ça donne envie de vomir, attendez. Où est-ce qu'on voit les objets qu'on a sur nous, tout ça ? Alors, je crois que c'est C, il me semble. Attends, non, T peut-être ? Non. X ? Non. Moi, le jeu est vachement... Non. Ah, j'étais... C'était quoi ? I, comme inventaire. Ah oui, I comme invente. Oula. Oh, bien joué. Mais c'est marqué que c'est je vois une petite serviette. C'est normal, c'est juste le décor. Mais les objets que t'as ramassés, tu peux passer ta souris dessus, ils sont affichés. Pourquoi j'ai une photo de ton fils, Fred, sur mon sac à dos ? Impossible. Pourquoi t'as une photo de mon fils sur ton sac à dos, espèce de gros dégueulasse ? Je ne sais pas, je vais pas te mentir. Bah alors, Antoine. Antoine. Excusez-moi, j'ai pété un plomb. Pardon, excusez-moi. T'es youtubeur, toi ? Ah ouais, putain, ton fils, par contre, il a une gueule, mec. Il est ignoble. Ça juge le gosse. Non, alors on va se calmer tout de suite. Attends. Sur Timmy. Hein. Bon, vous en faites pas, il est bien sûrement mort. Mintos, regarde. Regarde cette photo, Mintos. Oh, il est moche, vraiment. Ah non, il est ignoble, on est d'accord, il est vraiment ignoble. Regarde. Fais voir, mets-le à côté de... Ah non, c'est pas le sien, hein. C'est pas le sien. Alors oui, faites attention à pas partir tout seul, je rappelle qu'il y a des sauvages ici. Moi, je peux me défendre très facilement, t'inquiète. Eh bien, on va voir ça dans quelques minutes. Alors, j'ai pas trouvé de bouffe, en tout cas. Je n'ai pas l'impression. Bah, moi, j'en ai ramassé. Ah si, j'ai un sneaker. Voilà, vous pouvez ramasser du tissu. Ok, j'ai mangé un sneaker. Il faut faire comme Koh-Lanta, faut se mettre sur la plage, hein. Faire comme Koh-Lanta. Ah ouais, comme dans Koh-Lanta. Moundir, moi, j'ai regardé Moundir, il m'a dit, il faut faire ça. Moundir m'a dit. C'est quoi ce bruit ? Ah, t'as pété un arbre, d'accord. C'est Alpha qui est en train de détruire la... Ah, il peut pas s'en empêcher, là, c'est son truc, là, maintenant. C'est fini, moi, j'ai fait un arbre, c'est bon. Non, mais qu'est-ce que je fais de ça, les amis ? De quoi ? Mais repose-le. Bah alors ? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire avec ton tronc, là ? Ça peut être utile, non ? Qu'est-ce que vous faites avec vos troncs, là ? Lâchez vos troncs. J'ai piqué son tronc, je crois. Eh, hey, t'as pas. Ce qu'on peut faire là maintenant, moi ce que je vous propose, c'est on essaye de trouver un coin où éventuellement on peut construire un abri pour passer la nuit. Mais il faut pas ces troncs d'arbres pour construire l'abri ? Ouais, on va les prendre sur place, c'est une forêt. Faut pas gâcher, hein. On a tous nos troncs là. Allez, on te suit, Fred. Moi je fais des squats, moi. Regarde. Allez, on te suit. On te suit. Patron ! Allez, patron ! Allez, on le suit. Patron, c'est par où ? Pour la cabane ! Patron ! On pose ça où ? Alors, au secours.
le chemin, vous pouvez ramasser... Ah, il y a des oranges. Ouais, vous avez des oranges, de la bouffe... Franchement, je vous conseille de poser votre tronc et de... Je récupère du camembert. Alors, je vous montre. Là, devant nous, là, vous voyez, ici, c'est un... C'est la base des... Enfin, c'est une des bases, parce qu'ils ont plusieurs points de repop. C'est un des points de repop des sauvages. On les attaque. C'est... Alors, ok. C'était alors... très ok de MJ en mode... Ah, oui. Oh, il y a des poissons, par contre. C'est, je reconnais pas l'endroit. C'est ici que nous, on avait tout rasé pour faire notre base, en fait. Non, mais c'est peut-être pas une bonne idée en face du camp des sauvages. Ah bah, c'est une manière d'asseoir notre dominance, hein, après. Bien sûr. Non, mais je suis assez d'accord. Asseoir la dominance, ça m'intéresse. Faudrait trouver un endroit sympa où on se dit, tiens, là, c'est bien pour mettre notre petite base. Vers la plage, non? Vers la plage, vous voulez? Je vous laisse décider, en fait. Je veux pas décider pour vous, parce que moi, j'ai déjà fait le vrai. Alpha, Minto... Ouais, mais là, il y a un petit sentier, là. Il y a un petit sentier, là. On suit le sentier, là. Ouais, comme les sauvages vont suivre le sentier, les sentiers, du coup. Non, mais tu dis qu'il s'accroche aux arbres. Autant aller sur la plage, il y a pas d'arbres, ouais, là-bas. Ouais, au moins, il y a pas d'arbres. C'est vrai, ça. C'est pas bête, ça. Après, les arbres, on les rase, hein. Alors, oui, voilà. Les arbres ne repoussent pas. Ce que vous coupez ne repousse pas. Attends, j'avais une orange. Et où mon orange? C'est Michel qui l'a pris. Il y a une tombe, là, d'ailleurs. Il y a une tombe. On peut aller voir sur le bateau aussi, peut-être. Il y a une cassette sur la tombe. Ah ouais, ah bah c'est ton fils là, hein, mon avis. Il y a une photo, il y a une photo du bateau, vous la voyez? Ouais, je vois, oui. Ton fils dessus. Non, il est mort. Ah, il ouais. Ah, une cassette aussi. J'ai ramassé la cassette. Ah, il y a un autre avion qui est en train de se cracher là-bas. Je valise, là. Tiens, dans le ciel, regardez. Il va pas trop dans le bon sens pour pas se cracher, j'ai l'impression. Il y a un baleineau là. Ah ouais, le baleineau. Mais la viande de baleineau, incroyable, non? Ah, mais c'est pas des baleineaux, c'est des requins, putain. J'ai pris la tête. Est-ce qu'on peut manger la tête directement? La tête crue du requin, on la bouffe. Oh, j'ai défoncé le MacBook! Bravo. Attendez, moi je prends les valises. Sinon, alors voilà, ça je le dis parce que je connais, mais là-bas, vous voyez le gros arbre là-bas au fond? Ouais, le gros c'est arbre. C'est un site sacré des sauvages, on pourrait s'installer dessus, tu vois, vraiment foutre le feu à leur arbre sacré. Mais est-ce qu'on demande pas les problèmes en faisant ça? Binastérite là, moi, oui, là-bas. On fait binastérite là-bas. Qu'est-ce qu'ils feraient les Américains? Tiens là, la mouette, tiens! Je peux taper les gens avec la mouette après. Ils tapent les gens avec la mouette. Et boum. Moi, je ramasse beaucoup de tissus. Ouais, le tissu, ça sert notamment à faire du feu ou... Qu'est-ce que t'as fait? Je défonce les mouettes en vol. J'ai vu une plume voler. Le mouette slayer. Quelqu'un veut? Vous savez que quand la nuit va tomber, on sera dans la merde. Mais on sait pas quoi faire, comment on fait? Venez, moi, je propose qu'on aille dans ce sens-là. Ce sera plus safe que d'aller s'installer peut-être chez les sauvages. Et si on se met sur le caillou, là? Là, le long de la côte, il y a l'air d'avoir une hauteur là-bas, ça me plaît. Allez, vas-y, on te suit, Alpha. Il y a des tortues. Vous voulez massacrer des tortues? Ah ouais. Eh, faut qu'on se protège, Fred, tu l'as dit toi-même. Hein. Mais je sais que Mintos ne résiste pas à l'envie de massacrer un être vivant. Allez! Tiens, il faudrait qu'on fasse un feu pour faire cuire les mouettes que Mintos a tuées, du coup. Moi, j'aimerais bien un peu d'élévation. Je veux pas qu'on soit dans une cuvette ou quoi. Faut qu'on trouve une petite montagne, là. J'ai appris ça, je fais un stage de survie. C'est un peu élevé. Oh, c'est pas mal, là, regardez. Une biche. Non, trop tard. Une biche. Moi, j'aime bien ici. Où? Bah là. Alpha, tu veux dire là, au pied de ces crânes posés sur des pics. Ah merde. Ouais, non, peut-être pas là, du coup, peut-être pas là, on va trouver ailleurs. Attends, on va trouver ailleurs. Bah après, la caverne, c'est cool, hein, ça donne des trucs à explorer aussi. Ouais, mais on après... Attends, est-ce qu'on a une map? Est-ce qu'on a une carte? On l'a pas trouvé encore. En vrai, on peut limite se séparer, on regarde, et dès que quelqu'un trouve un spot bien... Se séparer, c'est bien ça. On fait 4 groupes de 1. T'es sûr que t'as fait du survivalisme, toi? Oh là. C'est un village, c'est pas une bonne idée. Ok, on est littéralement au pire endroit de la map, en fait, je pense, pour... Après, encore une fois, ils tournent entre les villages, ils sont pas vraiment fixement dans un village, mais... Mais après, la plage, est-ce que... Parce que l'eau de mer, ça sert à rien. Ouais, l'eau de mer, ça sert à rien. L'eau de mer... sûr que de l'eau douce, ça serait quand même cool. Il faudrait une rivière, ouais. Ouais, voilà, okay. On trouve une rivière. Faut trouver une rivière. Là, il y a quand même une belle jetée, là, non? Il y a surtout un beau village. Sinon, il y a une île là-bas, hein, si on nage un peu. Mais c'est trop chiant, t'imagines, chaque fois qu'on va vouloir du bois, il va falloir venir. Ouais, mais les culs nus, ils vont pas venir, hein. Non, mais comment tu fais pour le feu? Enfin, genre, tout est trempé quand t'arrives sur l'île à LED. Le soleil commence à se coucher, non? Ou c'est moi? Ouais, le soleil commence à se coucher, effectivement, je vais mettre un peu de lumière. Je veux pas dire, mais on aurait peut-être dû se poser avant, non? Le survivaliste Alpha Cast, Non, mais je cherche un bon endroit. Vous pouvez sortir votre briquet pour faire de la lumière, si vous voulez, comme ça on fait tout ce qu'on a dans le concert. J'ai ma hachette pour me défendre. Ah, j'ai des fusées éclairantes, moi, j'ai piqué. Aucune nue. Alors, bon, du coup, il nous faut du bois, des rochers. Où est-ce qu'on est là? On est au bord de l'eau. Vous êtes sûr qu'on n'est pas à côté d'un village? Parce que ce qu'ils font. Mais non, on n'en sait rien, mec. Moi, j'ai suivi Alpha Cast, le survivaliste là. Alpha Cast, le survivaliste. Dis-nous, est-ce que tu veux qu'on. Coupons des arbres ici. On va commencer par construire un feu, peut-être. Alors, sachant que le feu, c'est à double tranchant, parce que le feu aussi dit à tout le monde où est-ce qu'on est. Oh, le feu là. Il faut mettre des bâtons. Il faut des bâtons.
Ah, je l'ai annulé. Merde. J'ai cru que je contribuais à l'effort en le faisant, mais... Je le pose, voilà. Allez. Et là, on regarde chacun d'un côté et on attend que la nuit passe. Abri. Cabane en rondin. Il faut 82 rondins. Abri temporaire. Attends, on peut faire un abri temporaire. On va faire un abri temporaire. Vas-y, je vais le mettre... On fait chacun le sien, du coup. Ouais, il en faut un chacun, je crois. Ah, Timber. Oh là, j'ai fait du damage. Mais oui, mais vous faites... Mais vous faites pas tomber les douches dessus. Tombé dessus, je suis mort. Il a dit Timber, je suis mort. Bah oui, merde. Il a dit Timber, hein. Il a prévenu, hein. Putain, je me suis pris, mais dans la... Je pensais pas que c'était... Ton perso, il a juste fait... Oh. Ah, j'ai dit Timber, hein, faut écouter. Il a dit Timber, hein. Oh, je suis désolé Antoine, ça va? Ouais, c'est... Il s'est pris un tronc sur le visage. Tu veux un Doliprane? Ah, c'est bon. Ah, par contre, putain, moi, on est vraiment juste à... Ah, attends, il y a une rivière pas très loin, on aura de l'eau douce. Attention, ça tombe, j'y vais. Mais faites pas tomber. Sur les cahutes. Mais ne faites pas tomber sur les cahutes, vous les détruisez. Je ne vise pas, je ne contrôle pas, c'est mal fait. Dans la vraie vie, tu orientes là où tu coupes, et tu vois, j'ai fait un stage de survie, du coup je peux te le dire. Quoi qu'en fait, on peut tous dormir dans la même, on va tous se serrer cette nuit. Ah oui. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un. Quoi? Regardez, en face là. En face. Ouais, viens, on te démonte, viens. Ce qui se passe, donc là, pour vous expliquer un petit peu, là au début, ils viennent et ils nous observent en fait. On peut les attaquer. Sinon ils vont juste repartir et peut-être revenir les fois suivantes. En fait c'est vraiment bien foutu ce jeu parce que c'est organique. C'est-à-dire si genre tu commences à tous les massacrer, ils vont t'éviter. Si jamais t'es faible, ils vont t'attaquer. Donc le mieux c'est peut-être de leur sauter dessus et de les massacrer, comme ça tu leur montres c'est qui est plus fort. Et après tu leur arraches les dents. Voilà, 4 sur un gars là. Voilà. Tu les découpes, tu leur coupes le crâne et tout. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ça envoie un message fort dans le jeu. Ah, je me fais attaquer par son pote. Voilà, il est mort, le premier mort. Voilà, il là vous voyez. L'autre il va s'enfuir. Non, il s'enfuit pas. Je vais me le faire. Venez m'aider. Non, attendez, je le nargue avec. Regardez. Pardon, me tapez pas. On peut le démembrer si vous voulez, vous pouvez lui arracher les dents aussi. Hein. Tiens, coupez-lui la jambe. Voilà, coupez-lui les jambes une par une. Les jambes, les bras, voilà. J'ai coupé les jambes là. Voilà. Il faut que je mange absolument. Tu peux manger son pied. Tu peux manger son pied si tu veux. Il faut le faire cuire, non? Ah, ça dépend de tes goûts après. Hein. Mais non, je peux pas le manger, je peux pas le manger. Je peux l'équiper. On a des pieux. Coupez les jambes. Nuit 1, le carnage. Coupez les jambes. Pour le cuir, et tu mets le pied dans le feu, par exemple. Je peux taper avec la tête. Alors regardez, j'ai mis un pied à cuire. Mais ça, on va pouvoir le manger, le pied, du coup. Attends, moi, je veux un bras, moi. Oui, alors vous pouvez manger votre pied. Moi, personnellement, j'aime bien ne pas manger des pieds, mais... Eh, vous mangez des pieds, hein. Moi, si j'ai mis du poisson... Tu fais pas l'enfant qui mange ton pied. T'inquiète, je mange le pied, là. Oh, c'est bien nourrissant. Moi, j'ai mangé les fesses, c'est plus tendre. Un bon boule, là, ouais. J'aimerais d'abord hygiène. D'ailleurs, j'ai chopé une arme. J'ai chopé la massue. Ah merde, je brûle. Il y a encore des villages, je crois. Ah non, tu crames. Je brûle. Ah ouais, tu meurs là. Aidez-moi. Faut lui souffler dessus. Voilà, pas réussi. Après, on n'a pas besoin de construire cet abri ici. Alors regardez, moi ce que je propose, c'est on va tous aller sur un abri, on va tous appuyer sur Z. Et là maintenant, il y a 1 sur 4 qui apparaît. Quand on est à 4 sur 4, ça va dormir et ça passe au... 2 sur 4 là. Qu'est-ce que tu fais avec ta tête, toi? Oh, laisse-moi. Attendez, c'est là, j'ai 1 sur 4 sur l'abri. 2 sur 4 maintenant. C'est bon. Si, c'est bon. Voilà. Voilà. Une belle journée qui commence. Ah, une belle journée de massacre et de pillage. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu ce qu'on veut, non? Là, on fait un peu ce qu'on veut. On peut se balader et faire avancer réellement la quête. Pour ça, il faut aller dans des grottes. Sinon, on peut vraiment se faire un camp, mais il faudrait... Oui, non, on va se faire un camp ici. Hein. Alors attendez, vous êtes sûr ici? Parce qu'il n'y a pas d'eau douce, je crois. Attends, voyons. Ouais, non, il faut trouver une rivière. Moi, je veux bien l'explorer, mais j'ai faim. Putain, j'ai faim. J'ai trop faim. À l'aide. Mais mec, il y a des bras et des pieds qui sont délicieux là-bas. Ah, tu peux cramer le corps entier? Ah non, il y a un bras. Je vais prendre un bras. Vas-y, mange un bras. Ah, mais quel enfer. Je prends feu. Les mecs, ça fait moins de 24 heures qu'ils sont arrivés. Mais c'est direct. Ah non, je vais crever. Je suis au sol. T'es où? Ah, je te vois. Dans l'hypothèse où tu crèverais vraiment et que personne te raide, tu réapparaîtras à l'avion. Je vais aller chercher des tortues. Je sais quoi faire des tortues, ne vous inquiétez pas. Ok, bah on se disperse. Hein. Ouais, bah tu me diras, il fait jour, donc c'est safe, ça va. Faut trouver de l'eau douce. De l'eau douce? Alors moi, je crois que j'ai vu une rivière par là, je suis pas sûr, mais... Je crois que j'en vois une. Oui, attends. Oui, je crois. Oui, il y a de l'eau ici, là où je suis. Ah bah super. Là. D'ailleurs, tu peux rentrer dans l'eau pour te nettoyer le sang. Ça évite de tomber malade. Ah, on me dit c'est de l'eau de mer, que je peux pas le boire, c'est de l'eau de mer. C'est vrai que je vois pas l'icône pour boire, donc... Du coup, ouais, c'est pas vraiment de l'eau douce. Bizarre.
pourtant ça a l'air d'être une rivière. Là c'est pas mal, il y a un spot où il y a plein de lapins ici. Ça pourrait donner à manger. Ah et puis ça ferait autre chose que du cannibalisme. Ouais. Ça devient pas une habitude quoi. Ouais, c'est pas très bon pour la santé je crois. Après il paraît que ça a le goût de poulet. Bah attends, bah écoute, je vais chercher une autre rivière. Hein. Attends, j'ai trouvé quelque chose. Oui. Là il y a de l'eau qui coule. Est-ce qu'on peut manger ça? C'est forcément de l'eau douce là, c'est de l'eau qui coule. C'est au-dessus non? Non. Bah y a rien, c'est de l'eau qui coule, mais ça coule à travers le mur juste. Regarde ce que j'ai dans la main, Fred. C'est quoi? C'est une tête de lézard que je viens de tuer. Ah ouais, c'est un komodo. C'est pas en voie d'extinction, les komodos? Bah, maintenant, ils sont en plus, ils sont éteints. Voilà. C'était le dernier. Là, il y a un petit point d'eau. Oh, il y a des sauvages! Oh, c'est chez eux. Ouh là 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 là, je reviens, au revoir. Ah, t'en as trouvé deux. Si t'en as trouvé et qu'il fait jour, effectivement, c'est que c'est un camp eux. Oui, j'en ai trouvé, il fait jour et ils étaient autour d'un plan d'eau. Ah, mais ils ont un plan. Attends, il y a un plan d'eau, il y a un lac? Oui, il y a un plan d'eau. Il me fonce dessus. Vas-y, il va t'en. À nous! À moi! Défends-toi, mords-les! Allez! À moi le plan d'eau! Il y en a un autre! Il y en a un autre qui arrive! Attention sur vous, Antoine! Aïe! Mais. Oh, je suis mort! Putain, mais je meurs instant! Comment ça, t'es mort? Bah, je suis au sol. Mais je te vois au pas. Secours. Ah, si, d'accord. Hop. C'est bon, je te reste. Okay. Il respire encore! Achevez-le! Il est mort. C'est bon. Là-bas, il y avait de l'eau. Comme disait ma maman, si tu n'as pas quelque chose, prends-le à quelqu'un qui l'a. C'est pas vrai, elle disait pas ça. J'ai aucune vie en fait. Bah voilà, c'est parfait. Là, on peut boire. Mais là, on leur a pris leur point d'eau. Non mais là, c'est une mare dégueulasse. Enfin, c'est que de l'eau stagnante, c'est immonde. Enfin, vous avez pas boire ça. Ah putain, je suis mort. Je l'ai vu boire un coup d'eau, il a fait oh putain, je suis mort instant. T'es pas mort, t'es pas genre mort de faim ou un truc comme ça. Non. Ah oui, non mais c'est empoisonné. J'ai failli canner. L'eau est empoisonnée. Ah oui, non mais faut pas boire ici. Je vous l'ai dit, la mare au canard là. Non mais il faut trouver un truc de l'eau qui bouge. Faut pas un truc stagnant, c'est dégueulasse. Écoutez le survivaliste. Le survivaliste, voilà. Man versus Wild, Alpha versus. Ah, vraiment, le Bear Grylls. Il faut trouver un dromadaire, sinon on peut pas dormir. Je vais finir par boire ma propre pisse. Là. Après, sinon on aurait pu rester là et la faire bouillir, loin, tu sais. Oui, bien sûr. Mec, si tu fais bouillir de l'eau, bah, elle va s'évaporer. Use your brain. Ça fait de l'eau sèche à la fin, putain. Ouais. Mais c'est pas mal, là, en vrai, là où on est, il y a des plaines. Attends, regarde là-bas. Regarde là-bas, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau près de la chute. Ah oui. Venons, on s'installe ici. Là, cet endroit, ouais, il est c'est bien, pas il est mal dégagé. Là, en vrai. C'est pas trop mal, c'est pas dégueulasse. Il y a un petit point d'eau, il y a une petite chute, donc c'est peut-être de l'eau safe. J'ai par un cadeau pour toi, Mitch. Si, regarde, il y a des poissons. Il y a des poissons, c'est de l'eau bien, ça. On se met là ? Ouais, c'est bien. On va s'installer par là. Ça vous dit ici ? Il va falloir couper les troncs d'arbres. On fait la cabane près du lac. Mais il est pas mourir en plus. Ok, moi je vais commencer à construire mon club, les amis. Bah attends, qu'est-ce qui nous empêche d'être au-dessus du truc de l'eau ? Ouais, bah venez, on va au-dessus. Comme ça, on sera à côté de la forêt. On est surélevé, c'est mieux. Ah bah voilà, là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est-à-dire qu'il y a des voisins, quoi. Ah, la poule. Bah, c'est toujours pareil, les meilleurs terrains sont pris, quoi. Ah, mais c'est chiant, hein. J'ai l'impression de revivre la recherche de maison à Montpellier, là. C'est chiant, putain. Allez, là, la propriété c'est du vol, là, barrez-vous, là. C'est nous, ah bah, mais attendez, moi, je propose, on s'installe là, à côté d'eux. Et on les fait chier jusqu'à ce qu'ils partent. Ok. Là, aussi, là regardez, tout leur symbole, là, tout leur truc sacré. Allez, on pète. Venez. Venez, brûlez leur église, là. Ah, il y a du monde. Ils sont trois. Venez, allez, c'est à nous. Changement de propriétaire. Aidez-moi. Quand j'arrive. Je vais crever. Ils se tapent entre eux. J'arrive. Fred, il est parti. Ils se tapent entre eux. Alpha, vous êtes où? Ils se tapent entre eux, j'ai foutu la merde. Ah, ils montent aux arbres. Coupez l'arbre. Timber. Coupez l'arbre. Coupe la bah, allez, descends là. Descends là. Descends. Y'a la villa. Y'a la villa. Regarde-le. Attends, mais c'est juste la texture qui a bugué, il est descendu. Voilà, c'est ça. Ah, l'autre, il s'est relevé. Bah oui, mais faut les achever aussi quand vous les voyez respirer. Coupe lui la tête là. L'histoire de l'Occident en un stream. Ah non, mais c'est ça. Coupe lui la tête. Voilà. Regarde Antoine, j'ai un cadeau. Ah non. Oh pardon. Oh merde. Ah non. Les gars. Allez dans leur village et pétez tout. Allez dans leur village et pétez tout. Mintos, vite, regarde. Ouais. C'est quoi? Il y a des arnaques en termes de bois. Putain, on se fait chier pour ça, mec. Pétez tout dans le village et chier devant. Pourquoi on pèterait pas tout et on s'approprierait pas tout en vrai? Ah, j'ai du gasoil. Chier devant l'église.
J'ai récupéré du gasoil. Envie de boire du gasoil, là. J'ai soif, là. Pourquoi tu veux qu'on pète tout? On peut pas juste se les approprier? Alors non, tu peux pas vraiment construire par-dessus. Conquête ou assimilation, le mais débat éternel. Je ne peux pas détruire la baraque, moi. Tu peux pas détruire la baraque, mais tu peux les totems. Tu vois, les totems, ça, en fait, l'espèce de totem, c'est posé par les ennemis pour montrer qu'ils sont chez eux. Si tu les casses, c'est chez nous. Fred qui vit son jeu de rêve. moi, je vais construire ma cabane en bois. On peut construire des aéroports. Ah, c'est deux par deux. Énorme. Un parking. Un petit parking. Gérard. On peut construire une école. Ouais. Le mec va trop loin dans la église. Une église pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il va falloir que je vais faire un feu devant. Mais c'est vous la lumière de Jésus. Je vais faire un feu devant, les amis. J'ai fait un collecteur d'eau. Ouais, vas-y, fais un grand feu. Bon, il va dégager cet arbre là. Bordel de merde. Voilà. Timber. Il manque de cailloux. Des cailloux, il y en a partout. T'inquiète. Je vais faire un traîneau à rondin, comme ça on va pouvoir en prendre plus. Ah merde, je brûle. Pas grave. The Forest, on n'est pas trop dans une forêt, hein, je vais vous mentir. On peut prendre, je crois, les petites branches, il me semble que toute leur sculpture, tout leur totem, là, on peut les utiliser pour faire notre truc. Comme ça, on. Déjà, moi, là, je suis en train de construire l'humiliation culturelle jusqu'au bout. Essayez de faire tomber les arbres dans la bonne direction, comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher à Bubbleweed. On peut choisir où est-ce qu'ils tombent ? Bah, c'est en fonction de là où tu tapes, regarde. Là, tu tapes dans une direction, ils vont dans. Ça va taper dans l'autre. Aïe ! Ça va, Mintos ? Bah non, ça va pas ! C'est mal ! Oh, j'ai bu masse alcool, hein. La vie de voyou pour Mintos. Faut que je mange, faut que je me fasse un petit... C'est mal fait. C'est mal fait, il est tombé dans l'opposé. C'est mal fait. Merde. C'est mal fait. Paralyse, c'est mal fait. Je sais, j'ai fait un stage. C'est mal fait. Oh, j'ai pris trop cher aux boules. Quoi ? T'as pris trop cher aux boules ? Bah mec, je me suis pris le tronc dans la gueule. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire des totems avec les cadavres de nos ennemis. On va pas les manger plutôt ? On peut les manger, mais on peut aussi en fait en faire des espèces de totems de menaces. Comme ça, les ennemis ils approchent moins en fait. C'était ça. Okay. Voilà. Ah ouais. C'est bientôt la nuit là. Hein. Attention. Hein. Ah, c'est perdu. Ah. Timber, Fred. Où ça ? Ah ben, t'as failli me tuer là ? Oui. Je t'ai dit Timber, ça. Mais oui, mais Timber, dis-moi Timber vers où quoi ? Timber Lake quoi. Et je vous conseillerais de finir de construire la baraque. Hein. Ouais. Oui. Moi, je ramène je le carton. Je vois plus rien. Je vois littéralement plus rien. La nuit, elle est vénère dans ce jeu, putain. Ah, putain, vous avez pas des... Oh, putain, il me manque tellement des petites brindilles, là. Si vous avez des brindilles, je mets des torches un peu partout pour genre faire une espèce de périmètre de sécurité, un petit peu. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'au niveau briquet, là, on est léger. Hein. Comment ça, niveau briquet ? Moi, j'en ai un. Ouais, niveau lumière, mis, niveau bois, du coup, on est léger, là. Voulez-vous une torche ? Le PNJ. Voulez-vous une torche ? J'ai fait une torche. C'est la tempête ! C'est la tempête ? Comment ça, c'est la tempête ? Moi, j'entends le temps des tempêtes, là. Ah, j'ai trouvé un arbre avec des fruits, je l'ai mangé, on verra bien si j'ai la chiasse d'un. Oh, je crois qu'on me poursuit. Une bête. Ouais, je crois qu'on me poursuit, messieurs, dames. Ah oui, il rigole, là, je le vois, là, vilain, va. Vas-y, barre-toi ! Oh, c'est pris de l'arbre dans la gueule. Ah ! Oh putain, il m'a fait peur. C'est, il est derrière toi, je le vois. Ah, le sac à merde. Venez, on le tue, on mange son pied, comme tous ses collègues. Les mangeurs de pieds. Oui. Il a l'air bien appétissant, regarde ça, il saigne bien. Ouais. Il respire encore. Le mec, je l'aide. On a bientôt fini la maison, là. Hein. Putain, c'est toi, fait mal. Je suis mort. Venez me revive, s'il vous plaît. L'eau fait mal, en fait. Elle est empoisonnée. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on la fasse bouillir, peut-être. Help! I will help you, I will save you. Ok, I got you. Mais en fait, on a été cons, on aurait dû aller sur le bateau pour récupérer des trucs tout à l'heure. Il y avait devait y avoir des sodas et des conneries comme ça. Ah, la cabane est faite. La cabane est faite. Est-ce qu'il faut faire des lits ou pas? Est-ce que... Non, c'est bon. On peut tous... Attends. Il y a quelqu'un. Il y a une bête, Oui, on entend des rires. Mais c'est seulement à l'intérieur de la maison que j'entends ça. Mais parce qu'ils sont derrière! Ils sont derrière la maison! Ah. Au secours! Plus d'énergie? Au secours! Oui, il est là. Sac à merde là, viens là. On a défoncé, le feu. Ils sont deux sur moi. Je suis mort. Attends, je te reste. Vas-y, Mintos. Il y en a encore un, Antoine. Ah, putain, je suis encore mort. Ils sont deux. Aidez-moi. Aidez-moi. J'arrive. Ah, je suis mort aussi. T'es dans une bonne position. Il faut Antoine et moi. Azab. Oh là. Dès que j'en crois ça, je me dépond. Il est où ? Sinon, le plan B, c'est vous venez tous à l'intérieur de la maison et on passe vite au jour suivant. On les a décapités là. C'est bon, ils sont vivants, ils sont morts. Le capitaine. Je crois que je défonce la maison en même temps. Venez dans la maison, on va vite passer au jour suivant. Ok. Tout va bien. C'est bon, bordel de... Mais putain de merde. Comment ? Il y a un système. Fred, on attend que toi. Mais je sais, mais... Ça marche pas. Mais Fred... Mais ça marche pas.
pas grave, mec. Bon, c'est pas grave, on va mourir. C'est pas grave. Non, c'est parce qu'en fait, le c'est sur la touche pour avancer en même temps. C'est bon. Ah, ah, voilà. Là, par contre, moi j'ai faim là, il va me faire une bonne jambe là. Une bonne jambe là. Mais le feu est détruit, non? Ouais, bah, c'est un feu, c'est un feu, une seule utilisation. Je vais en mettre une qui marche plusieurs fois. Plusieurs okay. fois. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un grand feu de joie pour bien dire à toute la forêt qu'on est là déjà. Ah ouais, ouais. Voilà. Mais comme ça, la bouffe elle arrive directement à la maison quoi. C'est une manière de voir les choses. C'est grave pratique. Hein. Ouais, ouais, c'est effectivement. C'est ouais, pas ils ont vrai. Du soda et tout. Hein. C'est pas entièrement faux. Uber Eats cannibale, quoi. Putain, il est dégueulasse, mon fils. Bah, non, mais t'as vu, il est ignoble. Hein. C'est un sale enfant, quoi. Il est dedans, je crois. Attendez, mais il y a des sauvages? Il y en avait un, je l'ai ah eu. Oui, il y en a un. Mais il a pété la maison! Il a pété la maison! Quoi? Oh, sac à merde! Notre maison! Ma maison! Ah, franchement, il mérite qu'il leur arrive. Eh, jusque-là, on était sympa avec eux. Ouais, non, ça suffit. Maintenant, c'est j'ai de l'essence si vous voulez. On était sympa avec C'est un chef qui lui, il a un panne. Ma là. Maison! On va cramer. Mais longtemps! Plus, ah, cas, il m'a oxy, il m'a oxy. Attends, j'essaye. Il m'a oxy. Je reste. Derrière vous. Il y en a plusieurs. Oh là là, il m'a tué. Il m'a tué aussi. Au secours, on va crever. Je vais canner. Faut me raise. Okay. Ça va? Ouais, attends, on essaye de les finir. En fait, pour les stunlock. C'est une bonne idée en tout cas de les agresser dès le début, en effet. Ils ont plus peur de nous. Effectivement, notre domination là est totale. Bah j'allume écoutez, vous croyez que les États-Unis ça s'est fait en deux jours? J'ai eu du temps pour exterminer tous ces Indiens quand même. Moi j'ai un petit feu. Ah ouais, t'as fermé. Oula. C'est quoi ce bruit? Je crois que j'ai pété un totem. C'est bien, ça va les calmer ça. Ça va les calmer, ouais. J'ai allumé le méga feu. Attendez, je vais mettre des. Oh putain, je suis en train de cramer. Oh non, je suis mort de feu. Mais quel drame à chaque fois. Ah oui, effectivement. Attends, mais on... Il est carbonisé, transpercé, écrasé. Comment je fais cuire ma bouffe ? Il a eu 4 morts différentes, Antoine, depuis le début. Non, mais moi, tout va bien, vous inquiétez pas. Je peux pas... Non, j'ai défoncé le feu. Mais t'es sérieux ? Mais j'ai balancé un bout de poule. Par pitié, je vais mourir. Donnez-moi un truc à manger, s'il vous plaît. J'ai rien à bouffer non plus. Allez, j'avais mis de la viande là-dessus. Tiens, j'ai de la boule crue. Attends. Mais attends, on peut rien mettre à cuire là-dessus, je brûle. Tiens, il y a de la poule. Je t'éteins. Il y a de la poule. Je t'éteins. Je t'éteins. Ouais, mais je suis dans l'avion. Je t'éteins. Ah, t'es survive tout aussi. Je suis dans l'avion. Oui, vous êtes mort. Okay. Ben, j'ai appris une astuce, c'est qu'on peut mettre le feu aux effigies. Ah. Mais putain. Pour éloigner les ennemis. Et du coup, faut refaire une cabane. Bah oui, là, du coup, ils ont pété notre cabane. Mais on fait une petite cabane, hein, plus jamais la grosse cabane qui prend une heure là. Ah si, il faut qu'elle résiste. L'objectif, c'est pas de retrouver Timmy, surtout pas, hein, c'est de faire une ville. Bah oui, vous souvenez Timmy? Vous vous souvenez de Timmy? Il est moche. Non, j'ai oublié, il est trop moche. Parce qu'on avait, on avait oublié le but de cette aventure. Mais si, le but c'est la colonisation. Ça, c'est la quête secondaire, ça. C'est la quête secondaire. Qui devient la principale. Je vois pas quand elle est cuite ma poule. Un peu comme les Américains, au début c'était trouver de l'or. Finalement ils se sont dit oh. Il y a une poule qui est en train de cuire hein, si quelqu'un a faim. C'est un peu New World mais finalement mais Il y a l'air sur hardcore quoi. Oh merde, ma cam a freeze. Écoutez, moi je vous propose on remet un campement et je vais mettre des murs autour. Ça vous dit pas je vais chercher des tortues, comme ça on peut faire de l'eau. Vas-y, fais-toi plaisir avec tes tortues. Bah, il les veut, ces putains de tortues, depuis tout à l'heure, là. Non, mais après, tu vas boire de la pisse, là-bas, et tu vas mourir, mec. Je me dis, lave-toi. Revenons au jeu, s'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît. Voilà, moi, justement, en même temps, on me dit, tu te laves pas, t'as vu tes bras, MDR. Voilà, je vais faire un tout petit mur, histoire qu'on ait pas mille ans de trucs à farmer. Le mec est perdu sur une île. Dans l'eau, oui. Il doit retrouver son fils, il construit voilà. Un hôtel Ibis 8 étoiles à ta place. Alors c'est quand même beaucoup plus intéressant que retrouver l'autre dégueu. Alors retrouver Timmy, il aura 30 ans déjà. Il avait qu'à être beau Timmy, ça nous aurait plus motivé. Alors, le seul truc c'est comment on sort. Attends, il faudrait que je fasse un portail peut-être. Oui, notre chariot là, à foutre les bah trains. Là je suis en train d'en remplir un là. Moi, là. Ah, je suis en train d'en remplir un. Moi je vois pas. On en avait le deux. Le patron tyrannique, moi je vois pas bosser là. Moi je fais la compta là et je vois pas les gens bosser là. Mais j'ai plein de soda en fait. Et comme ça tu pourras mourir de diabète avant de mourir de sauvage. Ah moi bon, à l'américaine jusqu'au bout hein, le RP là. Oh, il y a des baraques sur la plage. Ouais. Eh, j'ai trouvé des cargos. C'est à Mintos les tortues là? Ouais, bah j'ai trouvé des cargos, on trouvait. Mintos, mais putain, je suis sûr que Mintos est encore mute sur Discord. Ah ouais, énorme, je suis mute. Oui. Eh, j'ai trouvé des cargos. Des cargos? Ah oui, des. Bizarrement, tortues. Et il y a des trucs dedans? Bah j'arrive là, je vais voir. Des cargos. Il y a des colis Amazon.
Ah. Mais quoi dedans ? Il y a des il y a des trucs électroniques. Ça va être utile ça. Oui, c'est vrai, on possède une petite LAN là. Oh, c'est privé, là. Oh des Vous allez être fiers de moi. Hein. Ah non, vous allez fiers de moi. Il y a deux tortues. Trois ! On va faire trois collecteurs d'eau du coup. Je vais ramener du bois. Attends, je vais ramener du. Je vais surtout aller me laver en fait, moi. Écoute, c'est pas spécialement mon moment, on a un stream là, mais. C'est triste hein, ce qu'on voit chez moi là. Putain, comment il essaie d'attirer les gens sur son stream ? Vous entendez ça quoi ? Putain, mais vas-y, quand c'est ce qui tombe, ce tronc de merde là. Mais c'est pour ça qu'on peut pas boire cette eau, parce que je lave mon sang à l'intérieur peut-être. Bon après je vous propose si vous voulez demain on va explorer un petit peu. Comme ça on se fait une grotte. On pourra trouver du matos sympa peut-être. Moi je suis full exploration hein. Ah je sais que ce jeu il est addictif de la construction. Mais comme ça on montre autre chose Ouais mais je suis pas là pour montrer là. Moi je suis là pour construire un club. Bon voilà hein, ton fils on s'en tape mec. Ton fils de merde là avec sa gueule de cul là. Ton fils de merde et sa gueule de cul là. Qui est pas foutu de rester. Il a déjà fini en civet hein. Il t'aimait vraiment il serait revenu quoi. Just facts bro. Just beating facts. Putain il en manque 40. Ah ça fait trop chier d'avoir perdu la maison la nuit dernière là. Mais surtout qu'elle est pas plus protégée là hein. On a pas du tout. Bah oui on a pas fait les Non mais Mintos préfère aller chercher des putains de tortues quoi. Bah en fait le mieux là c'est dès qu'on peut on sauvegarde et on passe à la nuit au jour précédent au jour suivant. Ouais, on peut pas allumer les torches pour les empêcher d'attaquer aussi. Oui bah c'est que ça les empêche pas spécialement d'attaquer. Ça nous permet nous de mieux les voir. Moi j'arrive avec la flamme olympique là hein. Si vous voyez là. Le porteur. Vous voulez qu'on passe la nuit genre maintenant là. Ouais ça serait bien histoire parce que j'aimerais bien. La maison n'est pas construite, on peut pas pour l'instant. Ah bah oui, non, on peut pas, il nous manque... Là, je suis en train de couper du bois, les amis. Hein. Ouais, il nous en manque 30. Oh là là, ça va être horrible. Putain, ils vont venir, en plus, là, ils vont venir, ils vont nous sécher, quoi. Ah bah ouais, ils sont derrière moi, là, je les entends. Sérieux ? Oh, j'en ai entendu un ou deux, quoi. Mais viens pas, hein, reste tout seul. Crève tout seul, mec. Moi, je viens tout seul, moi. Ah putain. Antoine, dans Koh-Lanta, c'est les pires raclures, quoi. Mais dans Koh-Lanta, t'as pas ces mecs-là, dans Koh-Lanta. Bah, dans Koh-Lanta, déjà, ils mangent pas des pieds, quoi, effectivement. En plus, il y a Denis Brognard, quoi. En off. Peut-être, oui. Allez, let's go. Est-ce que le deuxième chariot ça avance ou quoi ? Ça vient de commencer le deuxième chariot. Ah putain, okay. Quel enfer. Excusez-moi patron, hein. Ça avance mais vite là, merde. C'est pas facile patron. Je suis de retour. Pourquoi il y a un Les conditions de travail sont un peu extrêmes patron. Il était où le stand à carapace ? L'autre avec ses tortues, là. Avec de l'eau. Eh mais quand je suis dans la à travers les murs, je vois mieux ce qu'il y a autour. Oui, j'ai eu le même truc ouais. Ah merde, on peut pas dormir, c'est pas l'heure encore. C'est pas l'heure. Mais regardez, il y a la nuit. Ah oui ! La nuit, elle est pas pleine, ça veut dire qu'il faut résister un petit peu. Ah oui, d'accord. Bah venez, on commence à construire le mur. Oui, c'est un gamin de ouf. Ça arrive. Allez, dedans. Non, restons autour de la maison, restons autour de la maison. Moi, je reste dedans, hein, j'en ai rien à foutre. On est où la nuit, hein ? Ce jeu qui révèle les vraies personnalités des gens, ça. Petit, moi, je reste. Ils sont quatre, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a hurlé ? Ouais, ils arrivent vers nous, là, ils sont quatre. Va leur parler, Antoine, vas-y. Les mecs ! Soyez cool, là, monsieur, putain ! Ils ont pas été cool. Je suis mort. Ah merde, oh, putain, au secours. Faut tuer le chaman, j'ai l'impression qu'il en appelle d'autres. Ouais, oui, il fait des screams pour en appeler d'autres. Il en reste une, tu es là. Ok, attends, est-ce que c'est l'heure de dormir? Putain, c'est pas encore l'heure. Coupez-lui la tête, ouais. C'est bon. Vous avez buté le chaman? Je sais pas, c'est qui le chaman? C'était celui avec le gros truc sur le dodo. Il est là. Fumier, il m'a eu. Je te reste. Il m'a oxy. C'est bon. Voilà, attention à ce qu'il tape pas la maison. Il est mort. Ils vont essayer de péter le construire. Tu m'as foutu un coup dans le pied là. Oh, bah faire attention où tu marches. Bah, apparemment, il y a du TK. Bah oui, j'ai vu, oui. Oui, c'est bon. C'est bon, let's go. Vite. Venez. 4-4, c'est bon. Oui. Eh bah dis donc. Voilà, je fais cuire 1000 trucs sur le feu là. J'ai mis 1000 trucs. S'il y en a pas 1000, je déco. Ouais. Menteur, Antoine. Il y a des membres avariés que je fais cuire, mais bon, avariés, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est varié quoi. Ouais, ça veut dire varié. Allez, ça avance. Le village gaulois. Je suis en train de me battre avec des poissons là, c'est vraiment détestable. Alors, par contre, c'est un peu chiant parce qu'en fait, les arbres suivants, on est vraiment sur une hauteur et après, il faut vraiment descendre pour les trucs suivants. Ah, la grotte est là. La grotte est là où je suis. Tu l'as trouvé ? En fait, il y en a une juste à côté de chez nous. Ah, c'est peut-être pour ça. Il y a pas de l'eau dedans ? Ah, bah, je sais pas. Ouais, putain, là, il me faut vraiment de la flotte de ouf là. On va boire un peu d'eau à varier, mais boisons plus. Ah, de l'eau ! Il pleut, il va avoir de l'eau dans la carapace ! Je meurs de soif. Attends, quelle tragédie. Tiens Fred, suis-moi là. Et là, quand les gens vont avoir faim mais qu'on pourra plus cuire les choses. Ça va remplir. Oh le malaise. De quoi le malaise? Ça marche pas. Vas-y, on peut pas lécher le fond de la carapace.
On peut pas faire du jus de tortue. Du jus de tortue, putain. Putain, mais non, ça met trop longtemps au score. Oh, le malaise. Vous avez pas de canette de soda? J'ai de l'alcool, moi, sinon. Ah, mais j'ai plus soif, en plus. Comment ça, t'as plus soif? Bah, quand tu m'arrêtes, si tu m'as je sais pas, abondé de ta salive, j'en sais rien ce qui est passé. Hop là. J'aime beaucoup ce bruit. Par contre, j'ai ma santé, elle est tellement basse. Si quelqu'un a des médicaments, je veux bien. J'en ai, moi, si tu veux. Vas-y, tu payes combien, du coup? Non, mais arrête. Il y a même pas eu de négociation. Ouais. Ouais, à tout de suite. Merci. Tenez, seigneur. Merci. Je trouve que le bois est plus sympa à récolter dans Valheim. Bah t'as qu'à jouer à Valheim, connard. Je vais dans la grotte, moi, je vais voir ce qu'il y a. Non, mais t'es fou. Vas-y, pas tout seul, c'est plein de monstres. Ah bon? Ah oui. Surtout pas tout seul, les grottes. Non, mais vas-y, viens, aide-nous à finir le mur et après on y va. Ok, je remonte. Ah putain, c'est trop... Ah oui, c'est extrêmement profond. Oui, c'est très très profond, les grottes. Oh, ouais. Minecraft, en fait. Hein. Peut-être qu'on trouvera un indice. Vous vous souvenez, Timmy? Quelqu'un se souvient de Timmy? Ton fils de merde, là. Foulou à la das, on n'en parle plus. Foulou à la das. J'ai eu le succès, on l'a déjà défoncé sans arbre. Bravo à tous. Et ça n'est que le début. Wow. À la maison. À la maison. Il est à la maison. Bah, je suis avec mon poisson. Je suis avec mon poisson. Mais on s'en fout de ton poisson de merde, Mintos. J'arrive pas. Pitié. C'est bon. Putain, est-ce qu'il a abîmé? Il nous faut un marteau pour réparer. Bon, il est mort, lui. Il y en a d'autres. Ah, Noxy. Ah, je crois que c'était tué. Non, c'est... mais je me battais contre le chaman tout seul et je voyais Mintos derrière avec son plateau avec son poisson de merde. Mon poisson. Il est pas très frais. Pourquoi ils arrivent tous par là? Ils viennent d'où, là? Vas-y. Ils arrivent tous de ce côté en vrai. Blood for the blood grotte. Là regarde, ils arrivent encore. Il doit y avoir une entrée de grotte par ici. C'est pas possible. Je vais pouvoir faire ça. Tiens, je mange un truc cramé dégueulasse. C'est Mintos qui fait la cuisine et qui laisse tout brûler. Oh non, moi j'ai gardé mes poissons, hein. Si tu pouvais construire d'autres récolteurs d'eau, ce serait pas bien. Il y a un coup de hache. Bah, faudrait que j'aille chercher d'autres. Comment ça s'appelle? Tortue. faut construire vite, faut finir la truc là. Oui, on s'en occupe, Fred. Oui, ne chef, t'inquiète pas. Oui, hein. T'inquiète pas, Fred. Plus vite. Je rapporte la carriole. Et je crois que c'est bon. Oui. Oh là là, la maison! Y'a moyen de faire un mirador? Ouais, on peut faire ça, je vous l'installe. Oui, y'a un méchant. Méchant, fermez la porte. Le problème, c'est que là, en fait, sans le mirador, on peut pas leur faire. Retire ta radio, connard. Entends-toi. J'ai un chaman. Mais putain, je suis tout seul dehors. Ah non. Mais je me prends plus de dégâts par toi que par le truc. Je vois rien. Prends ses Chico. Il a de belles dents. Aïe. Mais regardez, récupérez son bâton. Ça, allez, courage les gars. C'est le rebrouche chemin. Ah putain, mais ils sont pleins. Fred, tu fais quoi? Je meurs. Je suis en train de crever à l'intérieur du. Je crois que j'ai mis tarif à quelqu'un là. Il faudrait me raise, je suis à côté de la maison. Je suis mort. Attends, mais ils sont à l'intérieur, Fred? Je sais pas. Et ils m'ont mangé. Ils sont là, ils sont dedans. Non, c'est l'écran de Game Over qui te donne cette impression que t'as été mort. Ah d'accord, ok. Je peux aller 13, Fred, ou pas? Non, je suis mort, je suis à la maison. Non, il a spawn à la violette. Oh là là, j'ai pas d'endu, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'eau, je vais... Elle est derrière la maison. Alors, je n'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. En fait, littéralement, plus rien. Et en plus, il y a des ennemis. C'est super, ma vie est géniale. Le sprint. Mais je peux pas sprinter, j'ai plus... Allez, ben je vais me faire manger, hein. Mais du coup, je comprends pas comment on fait cramer les corps. Je vais chercher des bûches là pour... Comme ça. Mais du coup je me demande, à un moment on verra les os. J'aime bien Antoine qui cuisinait son magret de canard. Je balance un cadavre dans la tranche. Non, je cuisinais des bras et des jambes. J'espère qu'il y a à manger parce que j'ai faim. Ouais, il y a de quoi manger, clairement. Je vais manger, il y a de la viande là, je vais la manger, ça ne me dérange pas parce que sinon je vais crever de faim en fait. Je vais récupérer du bois. Oh non, je vais pas récupérer du bois tout de suite. Il y a des mobs. Ah, mais ils sont juste dehors, ils sont derrière la porte là. Aidez-moi. Il y a un mob, on arrive. Je vais crever, je suis mort. Mintos, lâche ton tronc, mais Mintos. Je te raise. Par contre, le mur il a pris trop cher, faut qu'on... Comment on répare? Je sais, il faudrait un marteau, je sais plus. Oula. Oh non. Ça ne finit jamais. Encore 2 minutes pour dormir. Alpha, tu veux pas lui tirer une flèche dans la tête? Ouais, vas-y. Ouais. I guess the never miss. Oh, lui, il vient tout seul, lui. Oh oui. Oh non, j'ai cliqué à côté. Je suis hors jeu. Non, il m'a... Oh bah, il m'a baisé, d'accord, super. Moi, je peux pas, j'ai pas assez de vie, mais je peux pas approcher. Sur moi. Attends, un petit pied, là. Je me fais un petit pied vite fait, j'arrive. Faut les brûler pour faire des armures d'os. Laisse-moi me faire à manger avant de... Bon bah débitez-le, mettez-le à dessaler dans la baignoire et puis après on le mange. Voilà, je vous ramène du corps là.
Putain, ça fait rouler, là. La boucherie charcuterie. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ouais. Papa, il est bientôt cuit, le pied. C'est bon. Et des PTSD de son fils. Mais... J'ai mis plein de pieds, plein de bras à cuire, là. Franchement, ah, régalez-vous. Ça va être un festin. Régalez-vous. Hein. Regarde ça, ça donne pas envie. Ah non, je brûle. Va pas dans la maison, va pas dans la maison. Hein. Si tu brûles, tu brûles dans ton coin. Hein. Ouais, je... Ah, oh, le feu de joie, il a explosé. Ah bah hey mais tu te mets devant moi. Tu te mets devant moi. Attendez, mais y'a quelqu'un qui tape derrière là. Prenez à manger, hein. Mangez par contre, hein, c'est en train de carboniser. Hein. Mangez vos pieds tant que c'est chaud. Hein. Ah super. Voilà. Là, comme ça on peut bien voir devant. Et surtout regarde toi comme t'es archer, tu peux te mettre là et tirer sur les gens. Avec 8 flèches. Ouais bah faut bien viser, hein. Hey, j'ai du carburant moi. Je suis tombé. On peut save. Non, attendez. Je suis tombé derrière le mirador et je peux pas partir. Comment ça? Et si je te savate et que je te raise? Ah, peut-être, c'est pas con. Aïe. Aïe. Je suis mort. Je suis mort aussi, putain. Oh putain, j'étais sous le mirador, il m'a tombé sur la gueule. Je suis mort. Ah, Alpha. Sérieusement Alpha. On est trois à être morts, Alpha. Mais vous êtes sérieux? Mais comment vous avez fait? Putain, je me crafte une armure d'os, je les vois calmer. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il était foncé, Mirador? Mais parce qu'en fait, Fred l'a mal placé. Mais non, j'ai pas mal placé. Pourquoi qu'est-ce que t'es allé foutre derrière le Mirador? Mais je suis tombé derrière parce qu'il était mal placé. Mais non. Mirador, bon, non. Venez dormir, là, maintenant. Ça suffit, maintenant. Vous allez vous coucher, maintenant. Attendez, moi, ce que je propose, c'est là, on va aller explorer. Le mur, il tombe en ruine, par contre. Comment on répare ça? Il faut un marteau. Ça sera un problème pour plus tard. Attendez, je suis allé dans le pédiluve là, me nettoyer vite fait. Le pédiluve. Pédiluve, c'était un défi mot à placer ce soir. Tu cliques gauche et c'est 10 sèves, 2 tissus, un caillou et un. Je suis mort. Putain, non, pourquoi vraiment. Je suis tombé de la falaise. En voulant aller nettoyer dans le pédiluve, je mais suis putain tombé de la merde. C'est un enfant, Antoine. Pardon. Je mets du poisson. Je mets du poisson. Bon poisson. Faut bien goûter. Du bon poisson. Faut bien goûter. Ça, on a c'est, le crayon, la c'est le cannibalisme qui fait cet effet. Ah, hein. Ah bravo, ah oui ça travaille bien là. Bonk 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 bonk. Ah merde je brûle. Je vais mourir. Non non. Non Fred. Non. Il sérieux. Est mort. Laissez-le, il est déjà parti. C'est immolé. Laissez-le. Il s'est immolé. Bon on va dans ta grotte de merde. Il faut que t'ailles te doucher Fred là, t'es dégueulasse. Ouais t'es je suis Fred là. Toi aussi t'es dégueulasse. Non moi je viens de me doucher bro. Désolé, bro. Ah, on parlait. D'accord, on parlait du jeu. Bon, venez, on va aller explorer. Venez avec moi. Allez, venez. On sort de là. C'est bon, Alpha. Attendez, je suis fatigué. J'arrive. Si tout le monde est low life, ce qu'on peut faire, on va retourner vers en direction du bateau. Sur le bateau, il y a des médicaments. Comme ça, on pourra se soigner. Ouais, le spoil. Okay. Super. Et super le spoil, quoi. Et je crois que c'était quand on venait du bateau qu'on était passé à côté de, tu sais, Alpha, le truc que t'avais repéré que tu voulais installer le camp. Ouais. C'était par là. Il y a des sauvages. Sauvage. Oh, ils nous emmerdent. Wag, cassez-vous là. Oh putain, ils sont pleins. Oh, ils sont trois, ils sont des millions. Oh. Oh oui, ils sont pleins. Qu'est-ce qu'on fait? On fuit? Ah ouais, on se barre. Hein. Et les venez, on se casse. Perdu deux flèches. J'en ai touché aucun. Venez, on se casse, on se casse. Oh putain, mais ils avancent. Non mais vraiment là, ils sont en mode... Ouais, ils nous chassent. Mais on ne sait pas que non, c'est le chasseur qui est chassé. On pensait être les chasseurs, mais en fait, on était voilà. Les chassés. C'était tout le contraire. Alors attends, je crois que le bateau, on peut... Il me semble que si on coupe par là, c'est un raccourci. Mais tu t'es pas douché, Fred, OMG. Mais si, je suis tout propre, là. Mais non, t'es dégueulasse. J'ai mis du déo, arrêtez ça. Mais non, mais mec, tu sais que dans le jeu, tu peux avoir des infections si tu te douches pas. Non, mais je sais. Putain, si on s'était mis sur l'île, là, on serait si bien. Ouais, mais on aurait aussi six pas d'armes. On aurait ramené tous les rondins, ok. Ouais, on aurait dormi comme des mouettes, là, sur ton rocher de merde, là. Il est pas mal, ton raccourci, Fred. Non, là, ça passe pas, là. Hein. C'est un raccourci. Non, bah, c'est pas... Ok, c'est de la merde. Sac. Et mais lave-toi, Fred. Hein. Et je vraiment te jure que je suis propre. Hein. Bon. C'est un bug graphique. Bon. C'est pas à toi de le dire, Fred. Alors, il y a deux sauvages, là. Laissez-les tranquilles. Attends, il a confiné avec toi pendant une seconde. Ah, regardez, je me suis roulé dans leur tombe. C'est roulé dans le cax. Ah, c'est du camouflage. Mais ça m'a dégueulassé. Oh c'est putain, ils sont tous sur moi à l'aide. Venez aider Alpha. Oh là 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 là. Bah, moi, j'ai zéro de vie. Mais on vous a rien fait. Let's go. Faut trouver ce putain de bateau. Oh les bruits de mort. C'est parce qu'ils s'appellent entre eux en fait, ils se coordonnent pour Jean-Marie Francis. Vous êtes moi aussi je me suis roulé dans leur caca là. Dans leur merde. S'il faut c'est les toilettes et c'est littéralement leur latrine. On est en mode ouais on s'est camouflé et tout. Il y avait pas du tout de latrine.
Les mecs, ils nous prennent pour des fous. Les mecs, ils arrivent, ils viennent chez toi, ils se roulent dans ta merde. T'es, ils sont même pas couverts de sang, what the fuck. Ils se roulent dans notre merde. Ils sont vraiment chelous, ça. Bon, bah alors, Fred, le bateau n'existe plus. Pas de bateau, hein. C'est par là, on est d'accord que c'était par là. Ouais. C'était au port de l'eau, en tout cas, ça c'est sûr. Généralement, c'est là où se trouvent les bateaux, je vais pas te mentir. Ah si, c'est bon, on arrive, je reconnais. Ok, le bateau est là. Il y a un mec en feu qui court, là, qui veut sauter, là. Je crois qu'il y a des grottes pas trop loin, on ira voir. Ah bah là, il va choper des tortues, là. Ça, on pourra faire des apprendre. Okay, calme-toi, le mec, il est en panique. Première tortue, vous la voyez, vous l'explosez. Peut-être avec de la chance, on trouvera des indices pour Timmy. Ah putain, Timmy, j'avais oublié l'existence de cette sombre merde. Timmy, la merde. Putain, tout se passait bien, je veux dire, on était de bonne humeur, et puis là, t'as mentionné ta chure de fils, quoi. Ah, j'ai chopé un magazine, Yacht Summer Edition. Ah, on peut sauvegarder sur le bateau, je vais sauvegarder. On peut dormir sur le bateau, c'est bon à savoir ça. Mais putain, pourquoi on n'a pas dormi là dès le début ? Alors, vous avez trouvé normalement aussi un lecteur de cassettes. Quand vous le mettez, ça vous restaure de l'énergie. Vous pouvez choisir une des cassettes, c'est de la musique. Waouh ! Ah, tu peux mettre du rock libre de droit, trop bien. Ah, mais c'est de la musique de training montage. Je reconnais complètement, c'est training montage. Training montage. Oui, je m'entraîne beaucoup. On court dans la forêt. Là, là, là. Oh là, là, là. Il a vu une tortue, c'est ça ? Non, il chante la musique qu'il écoute dans les oreilles. Il a vu une tortue, c'est ça. C'est pas. C'est exactement ce que je pensais. Là, là. Mais attends, oh mon dieu. Oh mon dieu. Tapez dans la tête, sinon ça marche pas. Ok, let's go. Venez, par là, normalement, il y avait la grotte qu'on avait vue avec Alpha. J'adore parce que tu dis par là, ils partent tous les deux dans l'autre sens. Alpha, attends, mais j'ai trouvé des tortues. Mais on s'en fout, putain. Ah non, c'est pas des tortues, c'est des valises. Allez, let's go. Putain, je trouve une Game Boy. Non, j'arrive. Dépêche. Non. Désolé. Il est sale encore, hein. Mais non, arrêtez. Ah, attendez. Regardez, je crois que... Là, oui, il y a une entrée, là. On arrive. Il y a une entrée, venez. Oh non, ça, je me rappelle, ça. Oh, qui a le plus de vie ? Oh, pas moi. Bah, c'est pas moi. Alpha, ouais, bah, vas-y, passe devant, Alpha. J'ai un peu moins de la moitié. Alpha, passe devant. Ok, let's go. J'arrive. Mais t'es dégueulasse, Fred. Ok, vas-y. Let's go. Adieu, tout le monde. Attends. Ah, putain, j'ai tes textures sur ma gueule. Ah ! Ouais, faites des petites pauses, parce que vous êtes les uns dans les autres. Ouais. C'est profond, hein. Putain. Il y a des bêtes. La lumière, c'est pas loin, hein. Ça fait des bruits bizarres. Il y a des bébés. Il y a des fœtus de bébés morts. Tuez les bébés. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Genre. Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? Mais pourquoi tu l'as voulu qu'on aille là-dedans? Je suis mort. C'est les grottes. Je me casse. Bah c'était super la grotte. Bonne idée, Fred. Bonne idée. Bah oui, surtout, mais il va falloir qu'on récupère nos trucs là-dedans en plus. Mais attends, mais quel enfer ! Qui c'est que cette merde ? Mais putain, il fallait qu'on prenne du soin, quoi ! Mais on est plein de grottes ! Il y en a, normalement, dans les grottes, il y a du soin. Oh, bah ouais, je vois ça, ouais, dis donc, je me sens bien revigoré là, hein. C'est sur toi, il y a du soin. Bon bah, je reviens de l'avion là. Ouais, j'arrive. Bah, on est pas loin, heureusement. Attends, oui, avec mon arc, essayons de nous faire des arcs et on la kite. Non, mais moi je reviens pas là sans tant que j'ai pas full vie. Hein. En fait, c'est ce truc là que j'ai vu sur une photo sur le bateau. J'ai récupéré et c'était la tête de. Enfin, c'était cette créature à plein de jambes là. Ah, bah voilà, c'est bon, il y a que Antoine qui est mort. Enfin, je veux dire. Non, mais attendez, il va falloir m'escorter parce que là, je vais devoir récupérer mon sac à dos dans la grotte. Ah, hein. C'est dommage ça. Bah oui. Et oui, les amis. Ah, c'est problématique. Voilà. Fred, il va t'accompagner, hein. Il sait. Voilà. Moi, j'ai pas, hein. Voilà. Un petit. Voilà. Il m'a cassé mes armures. J'avais fait toutes ces armures et je les ai toutes perdues. Alors, attendez, on peut peut-être trouver une autre entrée sinon. Non, mon sac à dos est juste en dessous, mec. Bon, j'y vais tout seul, hein, sinon. Hein. Non, mais. Non, mais vas-y, oh, moi je suis prêt. Attends, il faudrait régénérer notre vie un petit peu, quoi. Non, mais moi je me fais un petit à manger là. Faudrait. En fait, il faudrait être. Mais Antoine, il part tout seul. Mais non, mais je suis là. Il est. Les gens, ils étaient derrière toi, ils t'ont regardé. Je mets de la viande. Oh putain, vas-y, la nuit va tomber, on est tout seul, il fait froid, on a faim. Quoi, on a bien mangé. Alpha, tu m'accompagnes ? Ouais, vas-y. Dis-moi, je viens, moi. Allez, passez devant, escortez-moi, et moi je récupère mon sac à dos, et dès que je l'ai, on remonte. Vas-y, mourrez là, et puis. Vous pouvez vous faire glisser ? Mais elle fait des bruits, c'est pas possible, hein, quelle merde. Oh, mais les bruits là. Je vous dis dès que j'ai mon sac à dos, ok ? Parce qu'après, en plus, il y a tous les bébés qui sautent partout. Bah oui, bah mec, c'est pas mon idée d'aller dans la grotte, hein. Vas-y, je suis descendu là. Allez sur moi ! Au secours ! Au secours! T'as récupéré ton truc? Je sais pas où il est, je le vois pas! Ah si, je le vois!
Vite, courez. En plus, elle a des tétons. Elle a des tétons. Ça va être le bon Twitch. Je suis mort. Je suis mort. Tu es là. Tu es là. Je lui tire dessus avec mes flèches. Je vais essayer d'aider Antoine. Merci pour le raise. Vite, on remonte. Remontez. Barrez-vous. Je suis mort. Barrez-vous. Quoi? Je suis mort aussi. Oh merde. Putain, mais cette grotte de merde là. Attends, moi je la DPS à l'arc. Il reste que toi, Alpha. Bon, les grottes, c'est mort. Hein. Moi, j'aimais bien quand je faisais des barricades. Hein. Après, il y a vraiment des super loot hein, dans les grottes. Ah oui, bien sûr. Ah mais moi, je peux pas vous raise. Hein, si je viens vous raise. Bah vas-y, continue. Non mais j'ai plus de flèches. Faut que je fasse de nouvelles flèches. D'accord. Pas de flèches avec mon zoo. Donnez-moi genre deux jours. En tout cas, l'ambiance sonore est vraiment sympa là où je suis là. Attends. Non, en fait, le truc c'est que là, moi, je... il fait nuit. Ah. Oh, oui, il fait nuit. Ah bah écoute, t'as fait ton stage de survivalisme là ou quoi? Non, peut-être dû demander à Varma, il n'est pas à toi. Oh, ça aurait été pire, je pense. Ouais, c'est compliqué. C'est bon, je suis dans l'avion. J'ai récupéré du souci. Bah allez, vas-y, je relise aussi. Mais putain, on a sans notre âge, ça va être un truc à bouffer dans les chiottes là au fond de la cuvette. J'en sais rien. Oh non, il y a déjà les bruits. Ils sont déjà là. On se fait camper. Ah, mais j'ai même plus ma hache. On se fait camper quoi. On n'a plus rien, on se fait camper par l'ennemi, quoi, vraiment, on a... Non mais vous êtes où, là? On est à l'avion et on se fait camper par les sauvages. Oh mais merde. On se fait spawn kill, quoi. Oh non, il y a une bête, je suis déjà... Ah putain, je vais rester sur la corde. C'est quoi, c'est un sauvage? Je refais le film avec James Franco, là. Je vais refaire ce film, je vais rester bloqué. Là, ils sont là. On leur a rien fait, pourquoi ils nous harcèlent comme ça? Je peux même pas les taper, je vais crever, hein. Je suis mort. Moi, j'ai ramassé un bâton. Tiens pas longtemps sur les cordes. Ma main va lâcher. Moi je retourne à ma maison, hein. J'étais bien à ma maison. Mais le sac à dos? Je vais mourir, à l'aide. Je suis sur ma corde. Ça avait commencé comme un truc de survie, maintenant ça vire au film d'horreur quoi. Bon venez, c'est là où il y a Alpha, venez on rejoint Alpha. Vas-y, on va essayer de rejoindre Alpha. Putain, le briquet. Le briquet qui s'éteint tout seul. Il y a un sitting de... devant la corde, je vous préviens. Ah ouais, c'est devant la corde. Oh là là, non mais c'est à dire qu'il y a des gens quoi, il y a des gens qui veulent me parler je crois devant la corde. Bonjour. Ah, on peut pas. Non, je rigole mec, je rigole. Ouais, je plaisante. Qu'est-ce qui c'est? Ah oui, la vache, ouais, tu te fais camper. On se fait tous camper. On a les uns, les mobs, ils ont aucun respect pour nous quoi. Est-ce qu'on a eu beaucoup de respect pour eux? Bah écoute, c'est vous qui avez commencé à les manger. Moi, je t'avais pas pour les manger à la base. Hein. Moi, je voulais juste les tuer. Moi, je voulais juste les buter, moi, c'est tout. Ah, mais c'est Fred là qui est là. Ouais, c'est bon. Moi, je suis à la corde. Hein. Je suis Oh là là, ils sont 2 millions. Ils sont 2 millions. Je tape une femme avec un bâton de bois. Tout mon sort. Désolé, une alerte stream. Oh, je suis mort. Non. Ah putain, je suis mort. Je peux recharger la dernière save, sinon. Quand on était dans le bateau? Oui, dans le bateau, on a save. Mais go faire ça. On est vraiment des mange-merde pour recharger une save dans The Forest, mais bon. C'est très rigolo en multi, j'avais jamais fait en multi, mais c'est très rigolo. Ah, c'est vrai que c'est marrant. Ah, c'est trop bien. Sauf quand on va dans la grotte, quoi. Et après, ouais, vraiment, les grottes, d'habitude, ça va. Hein. Moi, je... Ouais, bah, je te... tira en éclair. Par contre, le gamin missing, dégueulasse. Ouais, non. Le gamin, il est pire, il arrive à être pire que Timmy, c'est quand même. Hein. Après, je pense que dans le lore, vous êtes un peu mes amis, tu vois, donc normalement, vous êtes censé vous en... Et quoi? C'est un peu Timmy, c'est votre fils adoptif, quoi, tu vois. Non. Oh, des tortues! Paf! Tu! Vous voulez qu'on explore un petit peu là? À la recherche de médicaments, peut-être? Une petite grotte, quoi! Oh, y'a trois tortues là! Ah, yes, j'ai fait une torche. Enfin, quoi. Désolé, Péta. Ah, mais c'est vraiment terrible, les tortues, vraiment ce jeu. Elle mérite. Mais non, elle mérite pas, les pauvres! Si. Mais qu'est-ce que tu fais, Mintos? Ah, je m'acharne, je crois. Ah ouais, donc je Mais. Ah, je m'acharnais. C'est une demi-heure qu'il était en train de la taper. J'ai fait une rage incroyable. Vous avez ramassé les bouteilles d'alcool? Oui. Mélangez bouteilles d'alcool, tissu, ça fait cocktail Molotov. Si vous avez des cocktails Molotov, moi j'en ai deux, vous en avez combien vous? J'en ai zéro, mais je regarde une photo de Timmy là. On peut l'enflammer aussi ou pas? Tu peux me rendre la photo de mon fils, s'il te plaît? Espèce de gros dégueulasse là. Qui ressemble ressemble un peu à Julien Josselin, je trouve. Regardez ce que je fais. Waouh, mais c'est trop bizarre. Ah oui, tu peux faire de la luge, oui, c'est vrai. Incroyable. Ouais, il y a un sauvage sinon, accessoirement. Je sais que ça. Mais il se barre. Il s'en va. Il va dans l'arbre. Ok. Alors, est-ce qu'on retente la... Non. Non, mais tentons celle qui est près de notre base, plutôt. Ok, bah allez, on va près de notre base. Ah, j'ai trouvé deux montres. Mais il y a des caisses. Oh là 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 là. Oh, j'ai mal, hein.
Mais j'ai regardé. Je suis tombé sur un chaman. Je suis tombé sur un chaman, il me défonce la gueule. Ah non mais putain, rejoignez Alpha. Il faut réussir. C'est une grotte là, c'est une entrée de grotte ça. Oui. C'est une entrée de grotte et ça c'est une bonne entrée de grotte. C'est-à-dire qu'on sera moins emmerdé. Clippé hein. Vas-y. C'est une bonne entrée de grotte. Je me fais courser par des culs nus. Bah ouais, allez, attends, on va pas tergiverser Milan. Hop, je sors ça, j'allume et on y va. Vas-y, allez, go. Attends, je passe devant si vous voulez, j'ai de la lumière. Est-ce que l'un de vous a des os? Oui, j'en ai plein. Ah, je veux bien tous vos os. Ah, je peux en donner qu'un seul. Tiens. Un par un. Tiens. Ah, on va voir vos deux têtes là, tiens. J'ai pas le temps de cliquer, vous bougez trop. Tiens. Et l'autre avec son épée de feu. Mais c'est pas une épée de feu, c'est une torche. Ah, j'ai trouvé un dessin. Un dessin de Timmy. Oh non, brûle-le. Regardez quoi, regardez, c'est un artiste, c'est un futur artiste, clairement. Ouais. En plus, il fait des dessins... Oula, oui, les dessins de Timmy... Ouais. Oula. Ah oui, c'est propre. Allez, derrière, là. Ah, ça donne envie. Ah, regardez, il y a de la... c'est une boucherie. C'est une boucherie-charcuterie, par là. Il y a un cadavre suspendu, là. C'est Timmy, ça. Allez, on s'en va, hein. J'ai la liste des passagers. Ah, t'as la liste des passagers. Ouais. Attends, essaye de péter la. Peut-être péter les trucs par terre là. Il doit y avoir des trucs à ramasser. Prenez-en. Oh, je l'ai explosé l'ordinateur. Yeah. Ça serait Tracy ici. Une merde qui va nous tomber sur la gueule là. Non. C'est pas. Je peux pas vous cacher que c'est pas impossible. Il y a des trucs là. Péter les casses. Y a rien dans les boîtes. Il y a des bibles. Oh, il y a des valises là. La valise RTL là. Il a 60 ans. Il y a de la viande ici. Mais stop. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais la valise elle est bourrée. Hein. Alors il y a une lumière qui vacille devant. C'est peut-être une grotte ou c'est peut-être quelqu'un. Calme-toi, Mythos. Il y a Jésus. Oui, il y a Jésus. Attends, il y a des caisses. Il y a Jésus. Comment ça, il y a Jésus? Il y a Jésus par terre. Ah oui, j'ai ramassé Jésus, moi aussi. C'est une... Oula. Là, vous avez entendu? Non. Vous avez pas entendu? Non. Vous avez pas entendu ou vous avez pas entendu? Là, j'ai entendu, là. Là, j'ai entendu. D'accord. J'ai rien entendu, il y a quoi? Non, il y a rien, mec. Non, mais vraiment, j'ai rien entendu. Si, il y a quelque chose. Non, mais oui, il y a une bête. Il y a une bête, elle doit être derrière. Sortez vos Jésus. Je vais aller en éclaireur pour le truc des chicots, ok? Mais on vient tous ensemble, Mythos, viens. Non, viens, on va changer de chemin, on va prendre le chemin où il y a pas un truc qui hurle. Ah, il y a la tête de Timmy là. Et où la cassette, Alpha? La cassette? Elle était dans la tête, dans la dernière tête. Non, j'écoute. Je l'ai pas vu. C'est un super morceau de rock. Ça continue par là si on veut. Oh, j'ai une dynamite! Oh, c'est perdu, les amis, c'est fini. Ah, vas-y, faut la garder pour le monstre. Ah ouais, mais non, c'est pas pour faire péter le truc en bois de tout à l'heure là. Alors attendez, il y a un passage par là, mais je vais pas passer devant. C'est à votre tour un peu. Moi je veux bien, je suis full HP. Vas-y, passe. Bonjour à tous. Moi je suis en train de crever de faim. Putain, mais j'ai eu peur. Oh non, venez pas, il y a trop d'ennemis, venez pas. Ah, t'as dit, Manu, il y a de la dynamite partout. Oh là là. Attention. Ah, yes, on est là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as tapé sur la boîte à dynamite, Antoine. Mais non, mais vas-y, je vais l'ouvrir. Hein. Moi aussi, je l'ouvre. Oh, fameux la sword. Avec la torche. Il a la torche devant la caisse. Ça peut pas s'ouvrir. Ça peut pas s'ouvrir. Je peux me faire un petit frishti, là? Regardez ici. Regardez, venez là. Et me poussez pas, par pitié. Oula. Ah, mais c'est le trou qu'on voit sur le dessin. Vous voulez qu'on saute? Bah non. Mec, vas-y, personne n'a jamais dit ça. Bas, si t'as des problèmes, tu les règles tout seul. Hein. Moi, je vous propose, on a des molotovs. On va aller là où il y avait le gros monstre qui hurle. S'il y a un gros monstre, ça veut dire qu'il y a des gros loots. J'ai un truc cru, mais je peux pas le faire cuire. Bah, on peut faire un petit feu, non? Ouais, dans une zone fermée, t'as fait du survivalisme, toi, non? Ok, écoutez, moi, j'ai mon cocktail molotov qui est prêt. Je vais péter le truc. C'est parti. Ah oui, donc la dynamite, ça sert pas à péter le truc. Donc moi, je peux m'en servir pour l'exploser. Ouais, mais peut-être il y en a un autre. Je suis perdu. Il y a un vélociraptor derrière. Oh non, mais Mythos, pitié. Mythos, attendez, on attend Mythos. Ouais, Ah, c'est bon, attendez. Et restez pas dans le cocktail molotov quand je le lance. Allez, avancez là. Ah oui. Oh putain, il est pas loin. Attendez. Il est là, il est forcément là. Oh là, il est là. Je croyais que t'avais allumé ta dynamite. Tu nous as pas vu, monsieur. Il est pas vu. Il est là. Il est là, j'allume mon cocktail molotov. Attention. Okay. Ouais. C'est parti. Vas-y. Merde. Putain, il brûle. Je balance une dynamite, attention. Et merde, j'ai lancé la bouteille sans l'allumer. Je balance une dynamite, attention. Alpha, tes flèches. Boum. Attention. Non, il est pas mort. Dynamite. Balancez les dynamites. J'ai besoin de lumière, putain, mais... Et affrontez votre destin. Venez, putain, avant de pleurer. Balancez une dynamite. C'est bon. Affronte mon regard. Il est où? Il est là. Attends, je mets une dynamite.
Barrez-vous, j'ai mis une dynamite. J'ai mis une dynamite. Il est mort. Ouf. Allez, il est mort, incroyable. GG. Oh putain, toutes les dynamites qu'on lui a balancées. Non, merde. Bravo à tous, hein. bravo messieurs, bravo, incroyable combat. Pour le rond. Il a mangé ses grands morts. C'est vraiment ça, c'est fait dans la panique totale. Avec aucune organisation. Franchement, on aurait eu des dynamites en vrai. On a complètement compté. On aurait eu des dynamites en vrai. Ça aurait été vraiment nous dans cette situation. Je pense qu'on n'aurait pas fait mieux. Quoi. Ah non, on n'aurait pas fait mieux, c'est sûr, non. On aurait eu de la poussière dans les yeux à cause de la dynamite. On serait cassé la gueule. On serait fracturé le crâne. Fin de la game. On serait chié dessus. Attendez, il y a un truc qui descend. Il y a un passage qui descend là. C'était pas le boss de fin du truc en fait. On a juste eu un sous-boss et on est là. Ouais, GG les gars, ouais, trop bien. Pourquoi Mintos, il sort de la dynamite? Faut que je me fasse à manger. Mintos, je vais te filer des encas. Ah ouais. Votre dîner. Ah merci. Tu m'as donné un bout de viande. Ok. Allez, on y va? Allez, Fred. Allez, Mintos. J'ai entendu une bête derrière nous. Hein. Non, mais on s'enfonce plus profondément dans la grotte, c'est exactement ce qu'il faut faire dans cette situation. C'est parfait, oui. We need to go deeper. Comment j'y suis? Bon, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on l'a eu de manière furtive, donc personne sait qu'on est là. On a encore de la dynamite, de toute façon. Ah non, j'ai encore de la dynamite. Je suis là ou... Ouais, on est derrière toi, t'inquiète. Avance. Je vous entends plus. Bah, avance, qu'on... avance. On te... Avance, vas-y. T'inquiète. On est pas loin. Ah il m'a fait trop peur. Wow. Y'a Gollum. Il est où l'anneau, enculé? Mais ne tapez pas avec des bâtons. Ah, y'en a deux. Ah, je suis mort. Y'en a d'autres. Il t'a embroché comme une merde. Alpha. Oh, il m'a fait trop peur. Y'a des bébés dégueulasses. Quelle horreur. Y'a des bébés dégueulasses. Non mais me frappez pas, pitié. Y'a encore un Gollum. Y'a des caisses, y'a des loot. Faut tuer les bébés. Y'a des médicaments. Tuez les bébés handicapés. Brûlez-les. Je tape les bébés. Mettez-y le feu. Y'a un bébé qui fait des saltos. J'ai trouvé un truc qui dit qu'il y a des jumeaux qui ont disparu. Ah, il y a de l'alcool, on peut faire des cocktails Molotov. C'est bon, le retour de la technologie. Ah, j'ai trouvé 3 balles d'anciens pistolets. Ça veut dire qu'il y a un pistolet. Ok, faites attention où vous tirez vos Molotov. Non mec, je ferme les yeux, je fais 2 tours sur moi-même et je tire. C'est ce que tu fais d'habitude. Alors regardez. Oula. C'est pour faire péter ça? Ah oui. Regardez, il y a un truc, y a un truc pour péter avec de la dynamite. Vas-y, je vais faire péter, je le fais, ok? Vas-y. Barrez-vous. Oula. Ouais. Le petit lag. Ça s'enfonce encore. Putain, où est-ce qu'on va aller? C'est horrible, hein. Mais attendez, là. C'est pas la grotte de fin de jeu, ça, d'ailleurs? Je sais pas. Mais je suis en train de me demander, effectivement, si c'est pas la grotte de fin de jeu, quoi. Parce que c'est vraiment... Elle est vénère profonde. On a clairement pas le niveau pour faire ça, non? Moi, je pense pas que c'est la grotte de fin. C'est juste qu'il y a les grottes et rigolent pas, quoi. C'est cool. Ah, il y a une montre. Tronçonneuse! Ah, une tronçonneuse! Oh, ok, mais c'est bon. Mesdames et messieurs, je pense que là, c'est bon. Niveau du gaz, en plus, j'ai deux bidons de carburant. 4 bidons. Ah, on en a tous une! Putain, on va pouvoir tellement déforester comme des enculés, là. Il faut qu'on sorte vivant, par contre. Hein. Et rangez vos tronçonneuses. Je mets 2 morceaux de viande. Et merde, je brûle! Reste pas à côté des bidons d'essence! Ne reste pas à côté des bidons d'essence! Il y a de l'autre côté derrière toi! Par contre, just saying, il y a peut-être de la viande de tortue périmée. Ah ouais, c'était bien, t'aurais dû vérifier avant de la faire mettre à cuire, peut-être. C'était pas sûr, elle était verte. Ouais, oui, en général, la viande verte, c'est pas vert. Oui, des tortues, c'est vert. Allez, vas-y. On est full HP ou pas? Moi, je suis pas full HP. Okay. Hein. Moi, j'ai 5 PV. 5. Let's go, les gars. Ah, bah, c'était court. Ah non, ça descend encore. Ouais. Quand on ne sait pas où aller, maître Myriadoc, il faut toujours suivre son flair. J'ai chopé une photo d'un endroit avec un X. Je pense que c'est un endroit où il y a un truc qui est enterré au sol. Ah, c'est peut-être un loot, ouais. Ah ouais, non, mais par contre, ça ressemble à genre 1 million de plages. Oh, il y a un club, Antoine, il y a un club, là. On a trouvé ton club. Oh, le club. Oula, ça ressemble à une salle où il y aurait des mobs, ça. Le club. Ah ouais, c'est trop beau, ouais. Ouais, c'est joli. Hein. Oui. Il y a des saloperies en dessous. Ah oui. Et là-bas, il y a de la lumière à droite. Vous avez vu une lumière de sortie à droite, là, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être une lampe. Oh, ça serait tellement bien que ce soit une lampe torche. Ah oui, c'est une lampe torche. Non, c'est une lampe torche. Ah, si on peut la ramasser, c'est merci au secours. Vous voulez que je tente de lancer un cocktail Molotov en bas? C'est ce que je fais, c'est de la merde. Ça marche pas? Okay. Non, ça marche. Ah, je suis tombé! Oh putain, Mintos. Voilà, ok, merci, tu les éclaires, Mintos. Continue. Vas-y. Bon, ils sont cons. Garde-les au même endroit, Mintos. Merci pour ce que tu fais. Pitié! Non, je l'ai pas allumé. Pitié! Ah, je suis mort!
On l'a eu. Oh, t'es mort, la tête dans le caillou. Merci beaucoup. Oh non, on va devoir écrire à des murs. Pour ramasser, il y a un piton là. Un piton. Ouais, un piolet, pardon. Ramasse tes flèches. Donnez-moi mes flèches. Bah ouais, mais rendez-les-moi. Vous prenez les flèches. Ils prennent les flèches et ils sont morts. Ramasse tes flèches. Tiens, voilà, tenez vos flèches, monseigneur. Merci. Alors le piolet. Faut escalader ce truc là, du coup. Non, ouais, à gauche, ça descend encore à gauche. Hein. Comment ça ouais. On peut aller encore plus profond. Ouais, we need to go deeper. We can go deeper. Ouais, enfin, on va finir dans le dark web, là, ça continue. Moi, j'ai pas peur. Oula, je commence à avoir peur. Là. Tiens, pas peur, mais qui a sursauté comme une fillette tout à l'heure. Qui a sauté avec les idiots là pour leur faire peur? C'est moi, hein. C'est vrai, le courage. C'était complètement volontaire. Oh, faut faire un jump. Pardon. J'ai chopé sa montre. Vas-y, jump, Mintos. Vas-y, jump. Jumping, allez, c'est parti. Voilà. Allez, vas-y. Il y a une corde en bas aussi. Il y a une corde en bas là, juste en bas. Ça va, pousse-le dans le vide. Ça va, Mintos. Ouais, ouais. Des bébés, il y a des bébés qui font le flipper. Ah, oh putain. T'as vu, ils font des espèces de cabrioles, ils font des hits. ils se hitent même. Yeah. Ah, regardez, c'est une piñata, il loue des billets. Oui, il loue des billets. Ah, c'est bien, là, après le cannibalisme, on désacralise les cadavres, c'est pas mal. Bon, écoute, Est-ce que c'est mieux ou c'est pire que les bouffées? Moi, je serais pour qu'on sorte de la grotte. On a la tronçonneuse, là. Oh, moi, je peux pas m'arrêter, là. Bah, tu nous rejoindras. Super. Je rappelle, on est venu là pour retrouver... Vous savez, Timmy? Non. On a trouvé tout sur les médias, c'est vrai. C'est mon fils. On est dehors. Le fruit de ma chair. Dehors. Le fruit de ma chair. C'est le gros trou. Ouais, ouais. Ah oui, le... Ah, mais on n'est pas en bas, putain. Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a un hélicoptère. Regardez, il y a un chemin sur le côté, là. C'est vraiment dangereux. Moi, j'ai la bouffe, là. C'est chaud, maintenant. On va finir par mourir de faim. Imaginez, il faut faire le chemin en sens inverse, après. Bon, on court. Il n'y aura pas de retour, monsieur Frodon. Mais... Ok, il y a un retour. Il balance des bébés. Oh, les sacs à merde. C'est bon, je les ai eus. Mais là, on peut dormir ici. Oh, on peut sauvegarder. Regardez, il y a une corde là, je monte. Vous voulez qu'on on aille par là? Il faut aller sous l'eau. De toute façon, je vois rien. Oh merde. On va mourir là. Oh là, là c'est la fin. Bon, attends. On avait des bouteilles d'oxygène, je crois. Oui, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les sniffer, les bouteilles? On voit rien, comment on fait quoi? Attends, des flares. Vous avez pas des flares? Les flares, ça va sous l'eau. Oui, fusée éclairante. Mais non, ça va pas sous l'eau, les flares. Mais non, mais c'est si. Les glow sticks. Non, mais c'est les glow sticks. Ah putain, les flares, ça va s'étendre. Il y a un feu là. Pour moi, les flares, c'est fait pour aller sous l'eau. Ah, apparemment. Sans déconner. Mais c'est vrai, hein, je te jure. Et pourtant, c'est abreu. Merde, je l'ai pas allumé. Mais petit con, c'est pas possible. C'est bien. Ah, la masterclass. Ça éclaire bien, hein. C'est ton chat qui a dit ça. Bah, je sais pas, dans les films ça va sous l'eau. Dans les films ça va sous l'eau, ouais. Bah écoutez, faut croire que les devs avaient la même logique qui pétait que moi. Je remonte, hein. Ah merde. Qu'est-ce que c'est? Attends, vas-y, bouge pas, tiens. Il brûle encore. Ah, voilà. Bouge pas, comme ça tu me tiens chaud. Tu me tiens chaud. Il est fait en flair. Ah, je voulais que je fasse un flair. Voilà, tu me tiens chaud là. Tu éclaires sous l'eau. Putain, Minto, c'est plus flair que les flairs. En train de crever de froid, littéralement. Pour les épaisser. Ouais. Je te réchauffe. Non, mais c'est bon, Mintos en feu, il m'a réchauffé un petit peu. C'est bon, on peut se casser. C'est bon, on peut se casser, c'est bon. Ah putain, je suis en train de crever de froid là, au score. Mintos, vas-y, prends feu. J'arrive. Mintos, attends, je suis même là. Enflamme-toi pour moi et réchauffe-moi de ton corps qui brûle. Deviens ma flamme. Putain, les tronçonneuses, j'avoue, on s'est mis bien. Là, bah, mais vraiment, pour construire les bases, par contre, c'est trop bien les tronçonneuses. Par contre, en combat. Qu'est-ce qui se passe? En combat, ça a pas l'air ouf, la tronçonneuse. Ouais, non, c'est pas fait pour, hein. C'est fait pour couper des arbres. Comment ça, c'est pas fait? L'Imperium voudrait connaître votre position. Comment ça, c'est pas fait pour? Ah ouais, et là, on est à côté d'un énorme fion. L'énorme fion? Ah oui, l'énorme fion. Il y a un lac et l'énorme fion. Le fion de Gaïa. On n'est pas loin, regardez, je vois la grande plaine déforestée qu'on a installée et le camp d'ennemis qu'on a rasé. Impeccable. Et notre camp est toujours là, c'est pas magnifique? Par contre, ils ont planté des trucs tout autour. Oh, y'a un mec! Y'a un connard! Ça tombe bien, il faut qu'on mange. Le manger. Je sais pas trop ce que ça veut dire parce que je sais qu'il y a plusieurs significations. Oh non. Ah merde, je suis désolé, ça va être doué. Il est pré-cuit, c'est pas grave. J'ai de la bonne viande de varan, moi là. Ouais, mais ça sera pas suffisant. Là, il nous faut des bras, il nous faut des mains. Ok, le cannibale. Ça va être difficile de reprendre une vie normale après un jour. Timmy, il a intérêt à dire merci, hein. Connard. Il fait un doigt d'honneur, le bras, regardez. Ah ouais, c'est vrai, il est mort en faisant un doigt d'honneur, quoi. J'ai préparé la tour de garde.
Ah oh oui, non, mais c'est incroyable la tronçonneuse là par contre. Fais gaffe, ouais, t'as vu, c'est ouf. Hein. Pour couper le bois, c'est tellement mieux. On va pouvoir agrandir notre camp, on va pouvoir mettre un casino. Un club. Un petit club, ouais, voilà. Un parking. Ouais, un centre commercial. Bah, vous voyez que vous faites les mêmes strates que moi là. C'est ça qui est bon, c'est de détruire l'habitation de l'adversaire. Comme ça, tu ne fais pas que juste les tuer, tu réduis aussi leur culture à néant. Ouais, après, on les enferme dans des réserves et ils deviennent gros. No more gas. Attention, ah. Timber. Non. Oh putain, j'ai esquivé au dernier moment. Là, ça va aller tellement vite. Du coup, notre camp sera presque trop petit, je trouve. Non, mais ça c'est le donjon, c'est l'enceinte principale. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Je suis transformé vraiment gros américain de base avec le rock dans les oreilles et la America. Feels good. Ok, je vais pêcher les gars. Je reviens. Il va pêcher. Je vais pêcher. Attendez une seconde, je vais pêcher. Ça va être rapide. Je vais pêcher. Je me sens vivant là. Voilà, c'est comme ça qu'on pêche, mon mec. Commercial Fisher, qu'est-ce que t'as fait? Alors si tu veux, alors on peut pas avoir de clones, mais par contre il y a plus de poissons. T'as pêché à la dynamite? Ah, ça marche bien la dynamite, oh putain oui. Ça marche hein. Ça marche ultra bien, y'a plus un seul poisson en vie dans la mare. En vrai c'est toujours bien d'en laisser un ou deux pour qu'ils puissent se reproduire quoi. Ouais, j'y ai pas pensé là. Là, considère-moi à l'époque de la vapeur là. C'est-à-dire qu'on prend et on s'en bat les couilles du reste. Ouais, c'est vraiment l'ère victorienne quoi. Je vais me le faire la tronçonneuse ce petit con là. Allez tiens, la tronçonneuse, la gueule, la connard. Allez bon. Non c'est nul la tronçonneuse en combat. C'est nul. Il m'a tué. Je suis mort. Ça marche pas. Hein. Fred qui est en train de construire une échelle alors qu'on est en train de se battre, c'est que je suis mort. Bah tu m'as dit construire une échelle. Il m'a tué, putain, je suis mort à l'aide. Fred, j'arrive. Fred. Oui, j'arrive. Tu fais quoi, Nintos? Moi, je tronçonne, moi. Mais il va vous découper, il est fou. À l'aide, hein. Moi, je canne. On arrive. Il se barre. Il a vu Nintos avec sa tronçonneuse, il s'est barré. J'ai transformé sa femme en trois en plus dans le monde. Attends, je le ramène à la maison et on le découpe et on le mange. Non, je vais me baigner dans le truc où t'as fait sauter les poissons. Quoi? Je suis mort, Alpha, tu peux me rester s'il te plaît? J'arrive. J'ai sauté de 1 mètre. J'arrive. Je construis la deuxième tour. En fait, je me suis trompé, j'ai fait une mauvaise tour, mais du coup, je fais une deuxième tour pour aller à la première tour. Vous avez mis une tête à sécher, vraiment. Vous êtes sérieux? Hein? Après, on peut faire des totems macabres pour les éloigner. Ça sert de repoussoir. Là, t'as fini de construire le mirador là, Fred? Ouais, il manque juste la corde pour pouvoir monter. Hop là. Voilà, maintenant on peut monter. Eh ben on a bien déforesté là, putain. Ah, maintenant qu'on voit tout en hauteur. Attention, regardez la maison des indigènes. Oui. Yeet. Oui. Ça a rien fait. Non. J'ai tiré à la catapulte. C'était nul. J'ai fait une catapulte et ça a rien fait. Ah oui, y a rien. Mets une dynamite dedans sinon, ça c'est plus sympa. Hein. Quoi? Feur déjà, et ensuite mets une dynamite dedans, c'est plus sympa. Oh là là. Oh, c'est bon, on a le droit de se marrer. On a le droit de rire, non? Vite, je vais crever de faim. On peut faire des collecteurs de fèves. Je vais littéralement mourir de faim avant que le lézard soit cuit. Y'a Fred, il a la tête dans le feu. Il est en mode cuit plus vite. J'ai faim. Cuit plus vite. C'est bon, tu peux. Ouf, c'est bon. Oh, j'aurais tellement aimé qu'au moment où il meurt. Je vois un chaman, une femme et... Non, ils sont quatre. Comment je peux monter dans ta tour? Ils arrivent. Non, tu peux pas monter à celle-là. Allez, Anzo, montre-nous. Oh, je l'ai touché. Oh, mais headshot. Putain, tu leur as fait peur, ils se barrent. Incroyable. Eh, c'est incroyable. Aujourd'hui, quand je vais me coucher, aujourd'hui, j'ai impressionné le village. Ce joueur pro d'Overwatch, un héros quoi. C'est bien sympa tout ça, c'était cool. Ouais. Franchement, je pensais pas que c'était aussi cool en vrai. J'ai toujours des bons plans. Des fois j'ai ça, des fois j'ai sur John Simulator 2. Ça dépend. Allez, merci à tous du coup pour ce stream. Oui, merci à vous. Oh la Minto, c'est fatigué là, c'est l'heure de dormir. Hein. Ah, c'est longtemps, ça fait deux semaines qu'il dort pas. C'est vrai.